Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça va être comment faire des friandises pour hamster. Donc voilà, il y a un chat derrière. Donc pour ça on aura besoin donc de cookies. Donc moi ce sera des cookies avec des Smarties dedans, de biscottes, mais c'est pas obligé, de farine, d'eau, d'un bol, d'une cuillère à café et de quelque chose pour donc écraser ce qu'on va mettre. Donc pour commencer, on va venir mettre un petit bout de biscotte dans le bol et on va mettre ce que vous voulez comme dose de biscuits et on va venir écraser. Donc ça risque d'un petit peu sauter parce que comme c'est un peu dur, ça risque de sauter. Et on va venir donc les écraser jusqu'à temps que ça devienne de la poudre. Donc voilà, une fois tout ça en poudre, on va venir ajouter donc tout ce qui est sec, donc la farine. Et on va venir en ajouter donc 3 cuillères à café, donc comme ça. Et la troisième. Voilà. Et on va venir mélanger. Donc après, s'il y a besoin, on peut en rajouter. Donc voilà. Et on va venir ajouter de l'eau jusqu'à temps que ça fasse une pâte. Donc homogène, pas vraiment collante. Faut pas que ça soit très collant. Parce que c'est pas très pratique. Et on va venir mélanger. Voilà. Moi, comme ils aiment bien les cookies, je mets des cookies. Après, vous pouvez faire la recette que vous voulez. Voilà. Et ça devrait vous donner donc une pâte comme ça. Donc, comme vous voyez, là, c'est un petit peu collant. Donc, vous pouvez rajouter de la farine. Bon, voilà, et je vais venir rajouter un peu de farine. Jusqu'à temps que ça colle plus vraiment et qu'on puisse faire donc des formes avec les mains sans que ça colle vraiment. Donc voilà. Voilà, une fois que la pâte ne colle plus, on va pouvoir faire des petites boulettes ou alors on pouvait prendre des emporte-pièces pour faire des formes. Moi je les fais toutes simples comme ça et donc je fais des petites boulettes. Et on les positionne après dans l'assiette. Ou après on va passer ça au micro-ondes. Donc voilà, on va mettre ça au micro-ondes. Donc 30 secondes à une minute, mais plus une minute. Donc voilà. Après ça dépend comment ils aiment, s'ils préfèrent quand c'est plus dur ou plus mou. Donc voilà. Et on se retrouve après pour la dégustation. Donc voilà, comme vous voyez, donc ils mangent les friandises. Donc j'ai essayé tous mes hamsters, ils mangent pas dès qu'ils sont en dehors de leur cage. Donc du coup, bah, je les laissé dedans. Donc on va pas très très bien, mais donc voilà. Ils aiment bien cette friandise. Donc j'en ai mis deux dans sa cage. Donc elle est... Ah voilà, Champomy aussi, donc Champomy c'est le petit hamster Bobrovski qui en a pris une donc dans sa gueule. Et Cheng veut lui voler mais il y en a une juste à côté donc c'est un peu bébête. Et il se bagarre un peu pour avoir la friandise alors qu'il y en a deux. Mon Cheng, il y en a un derrière toi. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à commenter, vous abonner, laisser un pouce bleu et n'hésitez pas à... mettre plein de commentaires. Bye.